يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى إن مت déshonneur dans celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Et ici dans sa hadith là, Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من فريق من سير الله سبحانه وتعالى جل جلاله دسو لساسس لنفيا دوز مواد الأخياشون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. الله سبحانه وتعالى dans les temps il crée 12 mois et dans sa 12 mois là c'est qu'on appelle Muharram jusqu'à Dhul Hijja et dans sa 12 mois là il fait 4 mois bien sacré là dans sacré ça veut dire l'obéissance bien respect ça mois là et l'obéissance à Allah dans ce mois là il n'a plus grand valeur et désobéissance à Allah dans sa 4 mois là et n'a plus beaucoup punition. Et là nous dans mois Dhul Qa'da, ensuite Dhul Hijja, ensuite Muharram, ensuite Rajab, c'est 4 mois de ce qu'on appelle ben mois haram, ce qu'on appelle Shahrullah al-Haram. Et là Muharram et nous là Dhul Hijja, nous là Dhul Qa'da et nous là Rajab. Et là aujourd'hui normalement nous les 3 ou bien les 4 Dhul Qa'da, ça veut dire nous dans le mois de parmi ben mois qui Allah fait vin haram, ça veut dire qu'il est sacré, alors qu'il nous servit, c'est la vie qui Allah peut donner nous là pour nous rapprocher avec Allah dans ce ben mois là et nous rester loin avec ben péché. Mais la sagesse qui m'a envie de dire, mon frère, c'est Allah place ce mois haram là tout de suite après Ramadan et Ramadan pas tombe parmi ben mois sacré. Qui fait parce qu'Allah a institué Ramadan pour qu'il ben dit moun, je t'acquérir ta quoi, je travaille dur pour gagner ikhlas, pour gagner ce qu'on appelle ikhlas, veut dire qu'il y a des gens sur action, sur parole, sur action, sur ibadat, l'existe pour Allah. Et existe quand même jusqu'à ce la vie pour Allah et ce l'amour pour Allah. Ça, c'était le mois de Ramadan qui Allah a institué afin qu'il y ait des gens que je t'acquérir, ce qui vient acquérir dans Ramadan. Et si nous acquérir, là, nous arrivons au moment d'analyse, c'est-à-dire, pas pour gagner Ramadan encore. Ramadan prochain, c'est 1444. Nous devons attendre 11 mois pour nous regagner Ramadan. Si arrivé un dimoun, il réfléchit, qui m'a fait dans Ramadan, qui m'a tu peux faire avant Ramadan, qui m'a fait dans Ramadan, et qui n'arrive moi après Ramadan. Et ça, c'est ma leçon qui nous fait après Isha dans tout le masjid. Nous demandons à mon frère de suivre cette leçon-là avec attention pour nous capables d'analyser
si arrivé dans Ramadan, mon père réussit à gagner ce qui est bizarre, gagner ce qu'Allah a envie de donner dans Ramadan. Ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il a enseigné pour gagner dans Ramadan. Si nous pas gagner dans Ramadan, mais c'est mal la porte pas de pas encore fermé. Alors, quand nous pouvons analyser qui est bizarre fait dans Ramadan et qui est bizarre acquérir quand Ramadan terminé, si mon résultat peut montrer 50-50, mon visa fait tauba pour me retourner vers Allah parce que quand Ramadan est terminé, la porte tauba pas encore fermée. C'est pour ça que mon visa analyse. C'est pour ça que mon visa dit quand Allah lui met un Ramadan, qui est une madrasa imaniyatun, une madrasa qui Allah lui met une l'étape dans Ramadan. Lui met une l'étape dans Ramadan, qui quand il rentre dans Ramadan, il passe par sa l'étape là, quand il sortit avec plus grand cadeau qu'un mu'min, un croyant capable de venir, c'est taqwa Allah Azza wa Jal. Et taqwa Allah Azza wa Jal ne veut pas dire paix à Allah, non. Taqwa Allah Azza wa Jal veut dire qu'il s'adit moun là, li respect ban halal, ban haram, li respect ban l'autre Allah et l'autre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et li respect avec haram qui Allah et son Rasul fin décrété dans le kitab et dans le sunnah. Ça, c'est taqwa. Et c'est ça même qui nous vise à évaluer nous évaluer nous l'okikitsuz. L'okikitsuz nous évaluer nous. Nous évaluer nous la quantité implémentation qui nous implémente l'autre Allah. Et l'autre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et nous restons avec une question qui est l'ex Rasul fin de fin. Ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum usiyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. La'allakum tattaqun, mais moi là, je finis de traverser, c'est-à-dire. Là, quand nous pécosons, nous finissons pas un mois après Ramadan. Mais c'est que nous finissons dépasse 30 jours depuis Ramadan, il finit. Et dans Ramadan, qui Allah, tu peux dire, kutiba alaykum usiyam. Combien de fois nous nous tannis dans Namaz, nous tannis dans Tarawih, nous tannis dans Maghrib, nous tannis dans Isha, nous tannis dans Fajar, nous tannis dans causerie dimanche, nous tannis dans causerie Fajar, nous tannis dans causerie Maghrib, nous tannis le radio, nous tannis live. Ya ayyuha alladhina amanu, oh man kena iman. Kutiba alaykum siyam, Allah fait rosa min obligatoire aux autres. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, pareil comme tu écris ali, tu faras le man qui avant aux autres. La'allakum tattaqoun, afin que je t'acquérie ta croix. Et les dans Allah met le mois Dhul-Qa'da après Shawwal, ça veut dire qu'il a sa dimouna l'inparé pour lui faire Hajj ou bien pour lui bénéficier avec sa 4 mois sacrés qui viennent après Ramadan quand il acquérit et taqwa, lui fait plus beaucoup bon action et lui restons avec ce haram. Je pose une question à un dimoun qui a un coup de téléphone avec ICC. J'ai dit, vous connaissez, est-ce que vous pouvez faire Hajj? Il dit, oui, je peux aller, j'ai une capacité financière. Comment vous pouvez faire ça? Comment il peut faire pour y aller faire Hajj? Il n'y a pas de bénéficier dans Ramadan. Il n'y a pas de travail dans Ramadan. Il n'y a pas d'acquérir et taqwa dans Ramadan. Comment il peut faire Hajj? Mais il peut révolter dans Hajj. Combien de fois je dis qu'il me trouve du monde révolté dans Hajj? Je trouve un du monde, moi personnellement, les tiers sur l'Ihram, ils étaient dominants. Il n'y a pas l'Ihram. Je trouve du monde qui reconnaît comme religieux. Je trouve du monde notorieux dans la société. Quand il rentre dans l'hôtel, quand il rentre dans la tente dans Mina, quand il trouve ça la tente là serrée, il est révolté. Il peut cause gros causer. Il peut mal causer. Jusqu'à ce qu'il mal cause le Allah sur le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait? Qui fait? Qui fait la patience le l'époque? Qui fait la patience dans l'attente? Qui fait la patience? Oui, ce qu'il peut faire sur l'erreur dans l'administration, il est responsable sur l'erreur dans l'administration dans Hajj. Mais seulement si Shaitan il servit sa administrateur là pour faire ou faire péché, Shaitan pas pour faire raham le ban haji parce que l'Arabie fait erreur d'administration, moi ça fait erreur d'administration, groupe leader fait erreur d'administration, ICC fait erreur d'administration, Shaitan pas pour dire ICC en tout, mon pas pour attaque ban haji fait autre pays des autres haji, non. Shaitan il pour servir tout moyen qui est en bas sur l'armée pour lui faire sa haji qui sort sur la case pays des autres. Et sa haji là, sa provision qui lui bizin pour lui faire sa haji là, Allah dit al-hajj ashhur ma'lumat, faman farada fihin al-hajj فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله الذي وتزودوا approvisionnez-vous قال في حج approvisionnez-vous donc si vous pensez qu'il ne va pas me manger ou pas me boire appelle ça taqwa non taqwa c'est pas ce qu'ils nous pensaient bien souvent man di moun zot met ban obligation lo zot même zot asté ban tes lo zot même puis Allah pas de doit ça tes là. Toi qui peux faire ça, c'est ça, c'est obligatoire autour. Ça veut dire pas amener manger, pas amener boire, pas amener linge. C'est pas un signe de taqwa dans Hajj. Au contraire, man yémani youn, man yémanit. Zot, tu peux venir faire Hajj, zot pas rod amener non yé avec zot. C'est pour ça qu'il s'arrête pour en descendre. Qui arrête pour en? Watazawadou, approvisionnez-vous. Là, nous apprenons des affaires. Taqwa, c'est pas ça qui demande la tête de dire.
Et il y a beaucoup de gens qui peuvent faire une action, une parole, ils croient Allah peut satisfaire avec ça. Non, Allah pas satisfait parce qu'il n'est pas rentré dans une action qui Allah satisfait ou bien pas satisfait. T'as quoi, c'est ce qu'Allah et son Rasoul explique. T'as quoi, c'est ce qu'Allah et son Rasoul. Et moi, je dis, ni ramasser ni chien aussi, mais c'est ni ramener ni chien là sur la case, il occupe les chiens, il donne les chiens manger, il donne les chiens boire, il occupe les chiens, mais les chiens dorment côté du tout. Qui arrive? Alors, ta croix, ce n'est pas ça qui, moi, avec vous, nous décidez, non. Ta croix, c'est ben l'ordre, Allah, l'ordre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui nous donnait dans le Coran et dans le Sunna, et ben prohibition. Nous n'avons pas pour rendre la Jannah excepté avec ta croix. Par rahmat Allah, wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Jannatin préparé, uiddat lil muttaqin, pour ben muttaqi. Et Allah, tu mets Ramadan pour te gagner ta croix. Et quand tu as fait Hajj, tu as besoin ta croix pour te faire Hajj. Wa tazawwadu. Approvisionnez-vous, amenez-vous une provision dans Hajj. Fa inna khayra zadi, meilleure provision c'est ta foi. Alors Ramadan c'était l'occasion, mais seulement si arrivé un djimoun, à ce là ni ban un téléphone ni pour y aller faire Hajj. Et t'as dit prends conscience, namaz il va pas faire. Il prend conscience, halal, haram, il va pas guetter. Ce qu'il nous conseille, ça man frère, ça man sœur, il nous conseille nous-mêmes et tout man djimoun, fais taouba. La porte Tawba encore est ouverte, même que Ramadan est terminé. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y pardonne tout le monde musulman. Bonne frère, bonne soeur. Dans Ramadan, c'était moi du Coran. Allah donne l'occasion pour écouter le Coran en entier. C'est le Coran qui nous écoutait en entier là. Zour Qiyama, soit il pour nous, soit il contre nous. Fait quoi dire à l'état Allah peut dire, par exemple, une affaire, un ayat Coran. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي قل جي إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فيك مجلس آية قرآن بليا إمام بليا للا ممكي من مسلمان تي بزافي أزفو أو موان أبغان أو موان إن كانتيتي عرب. Pas pour y aller discuter, pas pour y écrire essai, pas pour y aller écrire l'article en arabe, pas pour y écrire mas'ala en arabe, pas pour y aller écrire livre en arabe. Au moins, quand l'imam là peut dire Inna Allah, c'est très facile pour comprendre en vérité Allah. Yudwil l'oumayyesha. Moi, qui a tremblé, quand je lis cette ayette là, qui fait tant je me tombe parmi, ça m'a dit que Allah peut dire Inna Allah yudwil l'oumayyesha. Ensuite, il dit Wa yahdi ilayhi man anab. Et il guide celui qui retourne vers lui. Quand il dit qu'il retourne vers Allah, Allah guide lui, Allah content, Allah satisfait avec lui. Mais ça y est, le Coran là, il dit tu peux faire moi gagner un tracas. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans notre place, Yukhadi'un Allah wa alladhina amanu. Je peux embêter Allah, et je dis qu'il y a un iman, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Capable de s'allier là, moi il y a une action qui me fait, moi en tant qu'imam, il y a une parole qui me dit, quand je peux embêter Allah, et embêter, je dis qu'il y a un iman, ça y est, le Coran là peut envelopper. Sa caractère là, qui m'a fait pour retourner vers Allah. Mais nous écoutons le Coran en entier dans le Ramadan. Nous lisons le Coran en entier dans le Ramadan. Ça que la ligne qui nous lit. Zou, Qiyama, soyez une preuve pour nous. Soyez une preuve contre nous. Mais quand Allah dit Allah, la'natullahi ala al-kadhibin. Malédiction Allah, le man qui cause menti. Mais si moi, j'ai cause menti qui est arrivé là. Moi, je peux lire, moi, l'imam Asrajanou, l'imam lui peut lire. Il peut dire, Allah, la'natullahi ala al-kadhibin, zoli la voix, du monde peut contempler, satisfaire, zoli lecture. C'est moi, de mentir. Qui position? Qui position, mon frère? Mais dans ce Coran là, il est rempli avec mon ayat pour expliquer nous réalités insanes dans cette dunya là. Il explique nous entier ça ayat pour Allah. Réalité, nous réalité devant Allah. Nous façons qu'il y a là pour guetter nous au Qiyama. Il finit un veil dans le Coran. Il finit expliquer dans le Coran. Vous pouvez dire ça partout. Vous pouvez dire ça dans le leçon. Attention, je vous pense, moi, je ne peux pas le dire, un deal spécial avec Allah. Non. Façon qu'il y a là pour dire avec nous, il finit mettre dans le Coran et dans le Sunna. Nous, nous avons pour guetter quand nous pouvons tomber là-dedans. Et quand nous analysons nous-mêmes, il y a une occasion pour faire nous retourner vers Allah. Demande pardon et Allah son pardon tout le temps est ouvert tant qu'il ne pas faire, nous pas rentrer dans sa crade et tant qu'il soleil pas aller dans l'ouest. Bon frère et bonne soeur, moi Coran il finit traverser. Nous visons guetter qui n'arrive nous après Coran ce mois il traversé. Est-ce qui mon contrat avec Coran il amélioré, il pareil ou bien il reculé? Ça moi les sacrènes parmi nous
pour y aller faire une révision qui n'arrive lui en rédaction du Coran. Dans ce Coran là, il y a quatre qualités ayat. Un ayat, c'est Allah qui connaît, Alif Lam Mim. Un ayat, bizin tafsir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire même un arabe qui est né dans l'Arabie, qui apprend l'arabe, il y a un spécialiste dans langage arabe, quand il lit ayat Coran là, ça ayat Coran n'a pas pu dire ce qu'il peut trouver dans ce first analyse, dans ce premier vu, il demande tafsir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième qualité. Troisième qualité, c'est ce qui, ben, ulama expliqué, par exemple, yusikum Allahu fi auladikum li dhakari mithlu hadhil unthayin, ben, ayat Coran qui n'a pas de règlement là-dedans, ça c'est travail de ben ulama pour joindre tout ben ayat Coran qui peut causer un règlement, ensuite il explique nous ça règlement là. Et aussi hadith, ça c'est troisième. Et quatrième ayat Coran, qualité ayat Coran, c'est ce qui pour nous tout qui peut assiser là. Là-dedans, sa langage qui Allah adresse avec insan, un langage qui tout dit monde comprend. Sa quatrième catégorie ayat là, c'est un ban ayat qui tout dit monde comprend quand il y a lui. Et c'est un ayat courant qui je t'en dis, hier, de Portugal, un dit monde hier courant une randandine, un dit monde dans la Suède une randandine, un dit monde dans la Chine une randandine, un dit monde dans le Japon une randandine, qui est un ayat courant? Ayat courant c'est qui Allah pas. Zis Allah qui connaît? Non. Ayat Coran qui bise un tafsir Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Non, parce que les bouliali, en traduction, dans traduction, pas mettre sa tafsir qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam explique. Numéro 3, Ayat Coran, il peut lire Ayat Coran par exemple, la loi de l'apportage, ensuite du Bourgogne dans l'islam, capable arrive-li. Mais il y a assez difficile. Mais majorité d'Ibn qui peut rentrer dans l'île à travers Coran, c'est à travers sa quatrième qualité, ayat Coran, qui est dans le Coran. C'est ma musulman qui peut gagner une guidance, lui. Non, musulman qui peut gagner une guidance, avec sa Coran, là, quand il peut lire sa man ayat, là, ça peut faire l'effet, là, lui. Il peut pleurer. Celui qui peut soumettre devant Allah. Musulman, time n'est rien, où ce qui passe. Pendant les temps, lui. Il est occupé. Il peut les temps pour donner sa livre, là. Pour lui gagner sa récompense, pour lui gagner sa bonne bénéfice qu'il y a dans sa livre là, il peut aller temps. Et s'il y en a les temps, il peut lire lui. S'il peut lire lui aussi, il ne peut pas comprendre. S'il peut comprendre, il ne peut pas mettre en pratique. S'il met en pratique, il mal met en pratique d'après ce propre la tête, il ne peut pas guetter qui ressort sur la salle, mais il ne peut pas finir expliquer. Ça, c'est halat communauté. Parmi les mots qui nous servent dans le Coran, qui nous tout comprend, c'est tes. Pour gagner tes. Nous pouvons gagner tes de la part de Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu. Allah dit dans surah An-Kabut, Alif Lam Mim. Personne ne parle de cette traduction. Ahasiban Nasu. Allah peut adresser avec nous. O Banjimun, O Insan, O Musulman, O non-Musulman. Ahasiban Nas. Est-ce que Banjimun peut penser? An yakulu amanna, wa hum la yuftanun. Allah subhanahu wa ta'ala peut poser une question. Il peut poser une question qui s'en a. C'est lui qui peut lire. Mais il n'y a pas lié, il n'y a pas connu qui est là-dedans, il n'y a pas connu qui a l'air de poser une question dans le Coran, puis demande-lui, ah, c'est ce que tout le monde peut penser, un yutraku, qui est là pour qu'il dit, un yakulu, amen, quand je dis, je n'ai pas d'iman, wa hum la yuftanun, je ne vais pas gagner un test. Pas pour gagner un test. Allah veut dire dans le Coran, pas pour gagner un test, qui nous pense, pas pour gagner, non, pour gagner un test. Un test obligatoire, au moins, un test, moi, l'asté. Un test obligatoire. Shahada, prononce Shahada, un test pour un insan. L'imprononcé, il passe ce test. Établir 5 fois salat, un test obligatoire. Monsieur, madame, excepté c'est madame de ce période. Pas cause menti, c'est un test. Pas deal avec l'intérêt, c'est un test. Pas boire l'alcool, c'est un test. Pas faire zina, c'est un test. Occupe pour maman ou papa, c'est un test. Ça, c'est un test qui Coran et Sunna, il fait obligatoire. Je vais donner un exemple d'un professeur à l'école. Ce travail, c'est professeur. Ce test qui était. Ce test, il y a une première catégorie de test qui tout du monde est là. Par exemple, namaz, rosa, hajj, zakat, pas boire l'alcool, pas coquin. Ce test-là, professeur, monsieur, pas monsieur, madame, enfants, de tout, il y a même test. Ensuite, il y a un test spécifique pour lui, en tant que professeur. La takhunu Allah wa rasoulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ça veut dire un professeur, quand il choisit la profession
d'enseigner comme ce masdar de rizq, comme ce source de ce income pour y vivre, qui n'a aucun problème, qui n'a tout correct, ça, masdar de ce risque-là, sa source de ce income-là, il y a un examen pour lui, mais il est spécifique pour le professeur là, concernant son enseignement. Clair? Nous avons deux qualités de test. Un test pour nous tout pareil, et le test, en tant qu'un professeur, il y a un test. Ça appelle ça deux qualités de test. Assez si le professeur là, il a envie d'organiser Umrah, par exemple, qui est arrivé là. Il a acheté un test là. Il fait? Il a acheté un test parce que ça teste pas pour lui. Parce qu'il n'a aucune place dans le Coran et dans le Sunna, il dit aller à l'organiser Umrah. Oui, en tant que professeur, tu ne choisis ça comme ton masdar de ton risque. Il y a un test qui te bouffe avec ça, l'enseignement là. Qui te bouffe avec ça, mes enfants qui sont devant toi là. Qui te bouffe avec ton travail, ton lien de travail, ton quantité de travail. Te... Comment te bouffe ton risque dans ce travail là? Et chacun parmi nous, il y a dans ce source, moi, c'est Imamat. C'est-à-dire, Imamat, il y a un test pour moi, il n'y a pas un test pour moi de Moussali. À cette conscience, Imamat, il y a une question avec réponse par le rendez-vous d'Allah. Ça dit, mon professeur là, il y a un examen concernant sa profession qu'il choisit comme sa source de son risque. Mais est-ce que sa professeur là, il y a une place qui vient de professeur, qui organise Umrah? L'état de sa professeur là, il organise Umrah. Qui est arrivé? Il y a un test qui n'est pas pour lui. Ça veut dire qu'il peut être questionné concernant sa Umrah. Et pareil, ça applique à une madame. Ce test qui est ce test c'est son monsieur, c'est la case, ses enfants. Madame là, regarde le travail en Dieu. Quand il a envie de sortir, il y a un test. Quand il y a sa test là, il a passé, il a fait. Mais nous pour très bêtes, qui dans Dunia, qui est un darul imtihan, il y a une chambre d'examen, qui nous a stéban l'examen qui n'est pas pour nous. Parce que quand nous avons stéban l'examen là, nous pouvons être questionnés. Quand nous pouvons être questionnés, ça a une réponse de nous vous donner. Les là, un intelligent dans Dunia, il n'a pas passé l'examen qui n'est pas pour lui. Ça veut dire, moi, je n'ai rien qui dit que je vais faire Imamat. Au moment où je choisis Imamat, je vais être questionné concernant Imamat. Je vais être questionné concernant qui m'a fait avec ça Imamat là. L'état de sa professeur là, lui, le petit professeur, c'était ce source de risque qu'il a choisi. Ce test que je vais expliquer, quand il organise Umrah, c'était, il a acheté un autre test qui n'est pas obligatoire, lui, qui appelle organisation Umrah. À ce pour gagner une question concernant qui lui racontait, qui lui causait. Qui lui dit, qui n'arrive l'hôtel, qui n'arrive pris, qui te dit man hadi, comment ça insensé, en même temps, tu es responsable, sa Umrah, ibadat de sa hadi là, parce que quand tu prends responsabilité pour amener faire Umrah, tu as besoin de connaissance pour te capable de guider sa djimoun là, de sa Umrah que tu veux faire. Alors finalement, tu as un djimoun, dans l'examen qui n'est pas pour lui, il a cité l'examen là, et il fait le seul examen. Alors, un moussaman, il est intelligent. Alors, dans Dunia, c'est un daru imtihan et nous tous nous bien connaissons qui ban l'examen qui Allah il fait obligatoire pour nous et qui ban l'examen qui nous piaste attention qui ban l'examen qui nous piaste il fait nous faire nous l'examen dans dunia et dans akhirat pourtant nous ban l'examen qui ti faraz pour nous nous bien faire pas aste ban les autres l'examen nous faire nous l'examen finalement et dans akhirat nous parmi ban khasirin aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله سبحانه وتعالى en tant que musulman nous sommes pour prendre des affaires peine un nom qui appelle pas bon qui vient depuis côté Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, les sous son contrôle, les sous, tout qui sont sous contrôle Allah, n'en est pas sorti en Dieu au contrôle Allah. N'en est pas sorti en Dieu au contrôle Allah. Mais c'est moi, les mal pas sorti depuis côté Allah. Zis dit bien qu'ils sont sortis depuis côté Allah. Zis ka sobantes. Sobantes, le mot tes, il servit dans le Coran. Yuftanoun. Ou ça, yumtahan, mumtahina. C'est man tes, man l'examen. Man mot qui nous tout comprend bien. Nous tout comprend licence, test learner, test CPE, test HSI, SI, tout le monde comprend bien qu'il y a des tests. Après, test c'est un résultat. Puis un test sans résultat, sans on passe le test, sans on fait le test. Comme ça même dans Dunia, c'est la chambre d'examen. Et on a même la chambre là-dedans. Et on a tout qualité l'examen. Quand vous passez, vous avez un résultat, c'est ce que vous faites.
الله سبحانه وتعالى جاء حديث قدسي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه. حديث قدسي الله بيجي رسول صلى الله عليه وسلم بيجي الله فينجي إنما هي أعمالكم سيسول بان أكشو كي زود زون فيه أحصيها لكم بيجي مو بريزيف لي بو زود مو ريكود لي بو زود ريكود كومبران كي بيجي ريكود pas vrai ريكود نو توجو نو كومبران مان مو كي نو تو كومبران با مان مو كي با كومبران ses autres actions. Ces autres actions qui sont ricodes, à l'un ricode li. Fumma ouwa fiha lakum. Ensuite, mo pou faire wafa ve dire, ce qu'ils ont fait, c'est un mzou pou gagne. Ensuite, Allah dit à Faman wajada khayra. Quand il gagne son papier, zou il finit passe dans tes. Quand il mort, il commence à gagner son résultat, commence à gagner depuis le kabar même ça. Non, non. Résultat commence à gagner comme malakul mort peut venir. Comment tout malakul mort peut venir? Ses premiers résultats qu'il peut gagner, si vous trouvez le bébé avec kafan, parfumé, connaît qui ça veut dire d'après l'autre dans l'examen, correct. Fait que moi, dans l'examen, peut dire, ban qui zot non, peut comment se tendre, c'est ban qui ne passe. Comment vous tenez non sorti, ou tout non, là, ça veut dire, vous connaissez le passé. Pareil, comme ça, même quand malakul mort paraît devant nous, ce moment-là, c'est le moment qui nous rentre dans l'akhira, si ça malakul mort là, il vient avec un kafan qui blanche, et sa kafan là, parfumé, depuis ban parfum de Jannah, c'est une bonne nouvelle pour les mu'minines. Et c'est ça, ayat Qur'an, qui Allah dit, « Inna alladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu. » C'est un mot pour dire, si nous faisons des efforts, nous apprenons nos dînes, apprenons nos dînes, apprenons un petit arabe, quand le Qur'an dit, « Inna alladhina qalu, ban kin dire, inna alladhina qalu rabbuna Allah, mu rabb Allah, thumma istaqamu. » Et istiqama veut dire, les bizaines à la patience, pour les restes de l'obéissance à Allah, et les bizaines à la patience, pour les rester loin avec désobéissance à Allah. Les peines ont fait take for granted, ça non. Quand ça la langue là, on vit battre. Quand ça l'esprit là, on vit faire mauvais. Quand ça la main là, on vit coquin. Quand ça les pieds là, on vit mosse de haram. Il y a une affaire très facile pour faire. Par contre, pour ne pas faire sa action haram là, et pour faire sa action faraz là, il demande au sobre, la patience. La patience pour faire bonne action, et la patience pour rester loin avec haram. Bizarre la patience. C'est pour ça qu'Allah dit إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Man qui prend la patience pour faire bonne action. Les peines à faire, pas penser qu'il commence à dire un seul coup, un dimoun net, il commence à faire cinq fois salat, il commence à faire sunnah, il commence à faire nafil. Non, il demande un travail, il demande un effort continuel qu'il insan vise à faire pour lui capable de vivre dans l'obéissance à Allah. Et la patience, c'est un grand élément qui s'en insan a besoin pour lui vivre dans l'obéissance à Allah et pour lui rester loin avec des obéissances. Allah dit إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا ربنا الله من كنت الله زد رب ثم استقاموا سوتيني فيهم لولا تتنزل عليهم الملائكة كازت بيمو متان الفرق بس بيك ساعة القرآن لا يبي جا من يقول هذا الدنيا نو آية القرآن لا كابيمو سا آية القرآن لا كابيمو الله سبحانه وتعالى في بن ملائكة بدون نو بون نوفل et ça c'est premier bon nouvelle qu'un mu'min gagne c'est quand il arrive l'air pour du mot ben malaika vient donner bon nouvelle ça c'est un résultat qui nous peut atteindre tout. Mais pour gagner ça, résister là, c'est travail. Quand tous les enfants gagnent 5 à plus, elle demande son maman, son papa, quand c'est sacrifice. Maman l'a fait, papa l'a fait, professeur l'a fait, et les élèves l'a fait. Puis quand nous avons gagné résultat faux de l'akhirat, nous avons gagné facile, nous avons gagné sans faire des efforts, nous avons gagné sans prendre la patience. Non, vi gen li sans ina yaqin lo parole Rabbul Alamin et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala donne test début de ce test aussi, c'est du bien. Parce que quand nous gagnons test, numéro 1, ce hikma, ce sagesse, je suis capable d'évaluer moi. Je prends des enfants, je vais passer first, second, third, troisième, quatrième, cinquième, sixième, je ne vais pas faire aucun examen. Maintenant, je dis, automatiquement promoteur, les promoteurs de forme 1, forme 2, forme 3, forme 4, forme 5, automatiquement promoteur. Et t'arrives de forme 5, résultat sorti 5 fois 9, tout partout 9, manager l'école en tout. Non, le système. Parce qu'automatiquement promoteur, dis-moi, on n'a pas pourquoi évaluer ces enfants. Mais si arrive nous, insan, Allah pas de nous test, est-ce que vous pensez qu'il y a besoin de nous test pour qu'on nous pointe? Allah li, Rabbul Alamin. Sa connaissance couvrir toutes choses. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de nous tester pour lui connaître que ça va pour passer? Non, mon Dieu, c'est une nouvelle. Quand il crée nous, il finit de nous dans le Jannah, dans le Jahannam tout. Que ça n'a pas rentré dans le Jannah, il finit de nous quand il crée nous. Et Rasoul Sazam, il trouve ça la liste là. Il trouve la liste de Mandimoun qui prend dans le Jannah, il prend dans le Jahannam. Alors quand Allah de nous tester,
c'est un moyen pour l'insan là lui-même de connaître qui sont évaluation. Aïe là, ça c'est premier hikma. Deuxième hikma, là allahum yarji'un, quand il évalue lui, il trouve souvent marking pétum dans excellent plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a supplié Allah, tini moi l'olem. Rabbana, ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana. Demande-toi avec Allah, tini moi ferme l'olem, moi peux A plus, tini moi ferme. Non, moi peux A, oh Allah, moi demande ta doigt, ça m'a tini manque, moi qui peux faire moi, rate ça plus là, ferme moi gagne. Moi peux gagner B plus. Oh Allah, mon commence à descendre very good. Mon peut envie gagne excellent, excellent plus. Mon commence travail. Mon tout moi peut gagner B, peut gagner C, peut gagner D. Quand musulman ali évalue li. D'après évaluation Coran avec Sunna, c'est une location pour lui retourner Allah. Allah dit ça, plusieurs places dans Coran il dit wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Nous donne manjoun ban test. Et test dans toute forme. Test de bon quelque chose. Test dans quelque chose qui paraît mauvais. Ensuite, qui fait La'allahum yarji'un. Allah dit afin qu'ils s'amandjoun la retourne vers Allah. Allah dit dans Surah 20 Wa ma ja'alna li basharim min qablika al-khuld. Allah cause avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne faisons personne avant toi gagner la vie éternelle. Afa immitta fahum al-khalidun. Si toi tu es là pour goûter la mort, est-ce qu'il ban là peut penser ça veut dire insan, ban kuffar, ban kafir, ban valimin, ban muslimin. Je peux penser que je peux gagner la vie éternelle? Non. Allah dit kullu nafsin dha'iqatul maut. Je tout et n'a pour goûter la mort. Ensuite il dit wa nabluukum bish-sharri wal-khayri la fitnatan wa ilayha wa ilayna turja'un. Donc un test dans quelque chose qui est bon, dans quelque chose qui n'est pas bon. Par exemple, un monde malade, il est malade, sur la main coupée, sur le pied coupé, les pieds disent sur leur dans business. Ça va être quelque chose là qui fait comme un test. Et c'est vers Allah qui nous a retourné. Alors quand Jumunna a gagné sa test là, c'est une occasion pour lui retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore, on a sa test dans le test, Inch'Allah. Dans Jumma, semaine prochaine, quand nous pouvons faire ce qu'il y a sur YouTube, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma, Allahumma Rabbana zalamna anfusana. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا ربنا لا تفتنا بفتنة تضلنا يا رب العالمين ندمنا الله دعاء كي الله بدن نتس كي على غير ساتس لا نو فيل نو الإكزامين إن ندمنا الله دن نو توفيق كي دن نو تس كي لي إدن اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات والله دنو توفيق منو فعل بون اكشن انو رسنا avec mauvais action سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين